Au Bénin, les travailleurs revendiquent l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. En effet, la célébration de la Fête internationale du travail a été marquée par des manifestations ce 1er mai 2017 à la faveur des assises tenues à Cotonou. 6 confédérations et centrales syndicales ont remis au gouvernement un cahier de doléances comportant les revendications des travailleurs. À l'instar de ces centrales, la Confédération des syndicats des travailleurs du Bénin a effectué une marche pacifique de protestation. Le peuple béninois réclame plus de liberté. Il réclame que soient enlevés purement et simplement les tracés de lignes rouges qui empêchent les travailleurs, les étudiants, les fils du peuple à lutter, à manifester. Nous avons dit que ce qui urge pour nous, je l'ai répété, c'est que dans les jours, dans les jours qui suivront le premier, que les 2% soient restitués automatiquement, qu'on les rétrocède aux travailleurs. Ce qu'on a prélevé à tous les fonctionnaires, qu'on les rétrocède. Sinon, il y aura problème. Le cahier de doléances des confédérations des centrales syndicales regroupe près d'une cinquantaine de revendications provenant des secteurs publics, parapublics et privés. Il s'agit entre autres de la prise d'actes du gouvernement pour la hiérarchisation des salaires dans les entreprises, du relèvement du salaire minimum, de la réduction du taux de l'impôt sur le salaire. Le gouvernement entend poursuivre le dialogue avec les partenaires sociaux que vous êtes, tout en programmant la satisfaction de vos doléances, parce qu'elles sont parfois si nombreuses que leur satisfaction totale demande du temps. Les organisations syndicales militent aussi pour la sauvegarde des emplois dans le cadre des privatisations de certaines structures ou sociétés d'État, la mise en application des statuts particuliers du corps des enseignants, la mise en application de la politique nationale de sécurité et santé au travail adoptée en 2007.